Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année nouvelle. J'aimerais donner l'honneur à Guy de Droit. Remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là à ce premier dimanche. Remercier Dieu de ce qu'il nous a donné le privilège de nous tenir devant son assemblée en ce premier dimanche. J'aurais voulu que ce soit notre papa qui soit là pour nous conduire à ce premier dimanche. Parce que c'est lui notre maître. C'est lui le berger. C'est lui le père de la maison. C'est lui le pasteur de la maison. C'est lui le prophète de la maison. Je croyais que tu vas dire amen quand je dis comme ça. Donc je veux que nous sachions en ce début d'année, ce premier culte est considéré comme une action de grâce. Considéré comme un temps de remerciement. Mais viendra après moi notre Père qui va nous donner la direction à suivre cette année. Qui va nous donner les instructions de cette année? Qui va nous montrer comment travailler cette année? Je n'attends pas pour moi tout. Donc je ne suis pas venu ce matin pour nous instruire, pour nous donner la direction de cette année. Non. Mais je suis venu pour qu'on continue de remercier Dieu de ce que nous avons traversé, de ce que tu as traversé, de ce que les ennemis sont enterrés en 2020, de ce que nous sommes rentrés dans nos bénédictions. Est-ce que tu as traversé? Est-ce que tu as traversé? Est-ce que tu as traversé la tempête? Est-ce que tu as traversé le désert? Est-ce que tu as traversé la mer rouge? Est-ce que tu as traversé les problèmes? Alléluia. Amen. Lorsque j'ai su que j'allais diriger ce matin, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends pitié. Dis-moi quelque chose par rapport à ce culte. Montre-moi quelque chose par rapport à ce culte. Permets-moi de voir par la fenêtre et de voir un peu ce que tu veux faire cette année. Après que tu nous aies déjà béni le 31 au 1er. Alléluia. Amen. Seigneur, montre-moi un peu par la fenêtre ce qui va se passer. Alors, dans une révélation, je me suis vu venir dans la maison de Dieu. Quand je suis venu dans la maison de Dieu, quelqu'un qui est dans la maison de Dieu m'a donné des pépins d'orange. Des pépins. La personne m'a donné, donc c'est les graines, c'est ça, non? Les pépins, elle m'a donné.
Donc pendant que la personne me remettait ça dans ma main, j'avais cru que c'est de l'argent que la personne me donnait. J'avais cru que c'est autre chose que la personne me donnait. Mais j'ai vu que c'est des pépins d'orange. Quand j'ai ouvert ma main, elle dit c'est quoi? Pourquoi tu me remets des pépins dans mon cœur? J'ai dit ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça là? Tu as déjà fini de manger ton orange. Et tu me donnes les pépins. Et c'est en ce temps que je vais entendre une voix qui va me dire: le Seigneur est en train de donner des pépins pour que tu puisses semer. Et quand tu vas semer ces pépins, ça va te donner des orangers. Et les orangers vont te donner des oranges. Et tu auras un champ d'oranges. Et tu vas moissonner beaucoup d'oranges. Et comme l'orange est douce, comme l'orange est douce, c'est comme ça cette année sera douce. Alléluia. Amen. Et de chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il y a ce monstre que Dieu va planter dans ta vie. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il y a des pépins que Dieu va mettre dans ta main. Il y a une parole que Dieu va mettre dans ton cœur. Il y a une révélation que Dieu va semer dans ton esprit. Va semer ça. Va pratiquer ça. Va obéir à ça. Et tel que l'orange est douce, c'est comme ça cette année sera douce. J'ai dit, ah, si c'est ça, j'irai semer. Et j'ai voulu, j'allais semer. Dis amen. Ce n'est pas fini. Quand j'ai fini de semer, j'ai vu quelque chose qui m'a touché. Et qui confirme la révélation de ma soeur Julie. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une femme qui est assise. Et quand le Seigneur m'a montré la femme, je n'ai pas vu son visage. Je ne peux pas te dire le thé exact de la femme. Mais la femme était assise confortablement. Et elle était en position d'allaiter des bébés. Donc elle a fait sortir ses seins. Et les deux seins étaient remplis de l'air. Je dis bien, les deux seins étaient remplis de l'air. Vous savez qu'il y a des femmes, quand elles accouchent, on manque de lait pour donner au bébé, vous le savez. Mais celle-là, quand tu regardes les seins, c'était rempli de lait. Et le Seigneur me dit, regarde correctement. Je regarde correctement. Je vois que la femme-là tenait deux bébés. Un bébé à droite, un bébé à gauche. Et les deux bébés était en train de têter. Mais tu regardes bien, je dis oui, je regarde bien. Tu as vu cette femme-là? Je n'ai pas dit qu'elle est enceinte. Je n'ai pas dit qu'elle veut accoucher. Elle a accouché. Elle n'a pas accouché simplement. Elle n'a pas fait un bébé. Elle a fait deux bébés. Regarde très bien, regarde très bien. C'est pas un garçon ça? C'est pas une fille ça? Oui, c'est une fille et un garçon. Elle a fait jumeau. Et ainsi je déclare que cette année 2021, toute chose sera prépare-toi à recevoir le double de ce que tu avais possédé.
Dieu dit double bénédiction, double miracle, double honneur, double promotion. Amen. Nous avons quitté l'étape de tomber enceinte. Nous avons quitté l'étape de la grossesse. Parce que celui qui n'a pas encore accouché, il y a des risques que l'enfant soit avorté. Il y a des risques que l'enfant meure à l'accouchement. Il y a des risques que la maman meure à l'accouchement. Ne t'assois pas comme si tu n'es pas un enfant des masses. Je parle aux enfants des masses, à ceux qui ont l'esprit de papa Benjamin. Je te dis ce matin, double, double. Entre ton mari et toi, c'est double amour. Ça veut dire la stérilité de tous. La maladie est de tous. Le manque est de tous. Il regarde cette femme. C'est les masses. Il regarde cette femme. C'est papa Benjamin. Il regarde cette femme. C'est une femme dans l'église dont les gens se moquaient. Prépare les habits des petits enfants. Prépare le trousseau.
doué. Double. Oui, double. Aide-moi de double. Double. Tout ce que les gens t'ont refusé. Tu dis, c'est ma manière de me venger. Je vais te venger. Je vais tuer tes ennemis. Mais ce qu'il ne veut pas voir dans ta vie, je vais te donner ça double. Vas-y, prêche. Celui qui dira je ne suis pas béni en 2021, il aura le double de ce qu'il avait auparavant. Ça veut dire double bénédiction, c'est la limite inférieure de ce que tu vas obtenir cette année. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. À la fin de la révélation, je voyais quelqu'un qui est de où? Et il y avait deux filles. On dit choisi. On dit choisi. Tu as choisi ta nourriture. Tu as choisi tes chaussures. Tu as choisi ta sapie. C'est pas, c'est ça, j'ai. C'est avec ça je vais. Tu as choisi. Choisi. Il y a deux pouces. Voilà pourquoi on va te donner les deux enfants. Choisis. Deux postes. Choisis. Ce que je vous dis, je me tiens devant le Dieu de Papa Benjamin. Devant le Dieu de Papa Benjamin qui m'a appelé pour travailler sous Papa Benjamin. Si je mens cette année, si je mens dans toutes les révélations que je viens de dire, si je m'en fous, si je choisi. Amen. Mais la partie où il a choisi, je n'ai pas vu. Mais
choisi. Merci. Mais tout ce que je sais. Alléluia. Les deux sont belles. Tu veux que je dise les deux? Tu veux que je dise les deux que je dis? Tu veux que je dise le vrai? Hey, la beauté spirituelle. Cette année, c'est pas pour Mardi. Parce que toi, tu viens à l'église pour écouter les révélations. Avait possédé. Amen.
Une dernière fois, ils vont entendre encore. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alors s'il l'a fait pour Job, il le fera pour toi cette année. Je veux que tu comprennes un peu. Donnez-moi quelques minutes. Je veux que tu comprennes un peu qu'est-ce que Job a perdu. Et qu'est-ce que Dieu lui a restauré doublement. Alléluia. Amen. Job était un homme béni. Mais je veux te dire une chose. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est la vie. Oui. De là, nous continuons à faire. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est la vie. Parce que celui qui est mort, il va faire quoi avec l'argent? Il va faire quoi avec une maison? Il va faire quoi avec une femme? Mari, enfant, nourriture. La personne est morte. C'est la fin de toute chose. Donc la première bénédiction que tu dois te donner, que tu dois rechercher, c'est la vie en abondance. C'est la vie en toi. Parce que la Bible me dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc la première bénédiction, c'est la vie. Si tu n'as pas la vie, ne demande pas autre chose à Dieu. C'est d'abord la vie qu'il faut demander. C'est quand tu as la vie que toutes choses peuvent arriver dans ta vie. Donc je veux que tu célèbres Dieu pour la vie que tu as. En traversant 2020 pour entrer en 2021, la première chose que Dieu t'a donnée, c'est la vie. Et je te dis, reçois encore la vie en abondance. Reçois encore la vie en abondance. Ils ont annoncé la mort d'un homme politique au Mali. Mali, tu sais, toi, mais dans des tours de l'opposition, où est-ce que ça m'a touché? Parce que le 24, Noël, ce même homme politique, Noël, disait qu'il remercie Dieu. Parce qu'on a vu la fin de l'année. Qu'il remercie Dieu. Mais ce qu'il était en exil, maintenant il est revenu. Mais ce qu'il était en prison, maintenant il est libéré. Et que lui déplore. Oh, cette année, la mort de certains présidents. La mort des grands hommes, de certains musiciens, et la cité les noms. Toutes mes condoléances à la famille. Il a parlé le 24 décembre, le matin 25. On annonce qu'il est mort. Toi qui es ici, et tu es un gras, réponds-toi. Toi qui ne dis pas, Seigneur, merci. Merci. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Si tu as la vie, il y a de l'espoir. La Bible dit, si un arbre a été coupé, s'il n'a pas été déraciné, même s'il est déraciné, si son tronc existe encore, là où il a séché, quand l'eau arrive, ce tronc d'arbre-là reprend vie, devient verdoyant, donne encore des fruits. Ça veut dire si tu es vivant, tous les projets que tu n'as pas pu réaliser, tous les rêves que tu n'as pas pu réaliser, toutes les opportunités que tu as ratées, je veux te dire ce matin, ne regrette plus. Je veux entendre quelqu'un dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis ça, merci Seigneur. Merci Seigneur. La deuxième bénédiction que Job avait. Donnez-moi Job. Il avait une bonne relation avec le Seigneur. Il connaissait Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Après la vie, écoute-moi très bien. Après la vie, la deuxième chose que l'on peut avoir,
appelé bénédiction. C'est de connaître Dieu. La Bible dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier n'a qu'à se glorifier. De connaître Dieu. Que Dieu est le Dieu de vérité. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui élève. C'est lui qui change la vie de l'homme. Si tu as Jésus dans ta vie, c'est une grande bénédiction. Si tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est une grande bénédiction. As-tu dit merci à Dieu pour l'Esprit de Dieu, pour la parole de Dieu, pour Jésus dans ta vie? Parce que tu peux parler à Dieu. Cette année, valorise ta relation personnelle avec Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ta communion avec Dieu. Tout le monde peut t'abandonner, mais ne perds jamais Dieu. Ils ont demandé à un homme, pendant qu'on voulait le jeter en prison, on a choisi quelque chose. Choisis une chose qui va t'accompagner dans ta cellule. Une chose qui va t'accompagner dans ta cellule. Si c'est la télévision que tu veux, si c'est un de tes enfants que tu veux, si c'est ta femme que tu veux, si c'est l'argent que tu veux, choisis une chose qui va t'accompagner dans ta cellule. Parce qu'on va t'enfermer pour plusieurs années. Il dit, je suis dans la joie de vous dire, donnez-moi la Bible. L'une des bénédictions de l'homme après la vie, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est d'avoir l'Esprit de Dieu en lui. C'est celle-là que tu vas utiliser pour te vanter. Le monde a tout le reste. Mais ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Quelqu'un chantait. Jesus in my life, I am satisfied. Even though I have nothing, I am satisfied. I have Jesus in my life, I am satisfied. Even though I have nothing, I am satisfied. I have Jesus in my life, I am satisfied. Si tu n'es pas satisfait par Jésus, l'argent ne va pas te satisfaire. La nourriture ne va pas te satisfaire. La femme ne va pas te satisfaire. Tout ce que tu vas se promener, se prostituer, mentir, voler, tuer, rentrer dans les sectes pernicieuses. Rentrer dans les sectes pernicieuses. Dans les trucs occultistes. C'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Jésus doit être tout dans ta vie. Que cette année que Jésus soit ton travail. Que Jésus soit ta femme. Que Jésus soit ton mari. Que Jésus soit ton argent. Qu'il soit ton or. Qu'il soit tes vêtements. Qu'il soit ton tout en tout. Je crois que quelqu'un va me dire pas. Merci. Alléluia. La troisième chose de Jéhovah. Que j'appelle bénédiction. Après avoir connu Dieu, frère. Après avoir connu Dieu. Après la vie. La troisième bénédiction. De Jéhovah. Et Jésus est en train de dire, c'est ça tu as. La bonne santé. Ils ont tout, mais ils sont malades. Ils ne peuvent même pas manger. Ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas marcher. Ils sont paralysés. Ils sont avec des machines pour les ranimer. Beaucoup de personnes ont traversé 2020.
sa touche. Reçois la bonne santé. Je dis 2021 sans maladie. 2021 sans tension. Sans attaque cardiaque. Sans diabète. Sans douleur. Sans paralysie. Oh, j'entends pas parler. Dans ce nom de Yanoué. Donc je te vois ce matin. Et je peux dire tu es béni. Parce que tu as la vie. Parce que tu connais Dieu. J'ai dit tu connais Dieu. Et troisièmement, tu as la bonne santé. La bonne santé. Hey, les gens déposent l'argent pour qu'on les donne la santé. Ils ne trouvent pas. Ils cherchent les meilleurs docteurs du monde. On ne sait pas qu'est-ce qui est la cause de la maladie. Te voilà, tes reins fonctionnent. Te voilà, tu peux pisser. Te voilà, tu peux manger. Te voilà, tu peux voir. Dans la maison où elle restait, il y avait un homme qui est là. Et chaque fois à 6h30, il est au WC. Et il arrivait que pendant que la soeur aussi est dans son WC, la personne dont je parle est dans son WC. Pendant qu'il dit, et ça sort. Il ne peut pas pisser, ils ont des sondes. Il avait déjà 70 ans. Et il va pisser dans son drap. Il va pisser dedans. Après les soins, il a été guéri. Et le docteur amène la facture. Pour que je paye. Le docteur amène la facture. Tel nombre de milliers de francs CFA d'euros. Il a enlevé, il a donné. Pendant que vous quittez la présence du docteur, il ne connaît pas Dieu. Une fois il a parlé. Tu as vu ce que je faisais pour toi. Tu as 70 ans. Depuis ton an zéro, tu pisses. Tu pisses. Tu pisses. Tu pisses normalement, sans fonte, sans facture, sans payer l'argent, sans douleur. Aujourd'hui maintenant tu as fait le payer parce que on t'a fait pisser ta soeur pendant quelques jours. Remercie-moi de ce que tu peux pisser. Je ne veux pas te le rester. Merci Seigneur. Pardon, soit dégagé. Dis merci Seigneur. Pour la bonne santé. Je te reçois la bonne santé. Dans n'importe quel domaine de ta vie, il y a une petite maladie. Reçois la guérison. Reçois la bonne santé. Tu vas sauter comme un fou cette année. Mas ela me
a déjà ça. Si c'est vrai, selon l'église, ton amen là sera plus fort. Quatrième bénédiction que Job avait. Je suis en train de dire des chances qu'il a perdu. Nous et Job nous l'avons. Dans Dieu veut restaurer doublement. Quatrième bénédiction que Job avait. Donnez un peu et Job doit dire. Ben il te dit. Une famille. Une famille. Ah. Et nous. Une famille. Et nous. J'ai dit une famille. Mais nous. Wendo. Wendo. La famille est très importante. Wendo. Avoir une femme, c'est une bénédiction. Avoir un mari, c'est une bénédiction. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Vivre entouré des gens, c'est une bénédiction. S'il te plaît, cette année, valorise ta famille. Je ne parle pas seulement de ta famille biologique, mais aussi de ta famille spirituelle. Parce que tu as une petite famille et tu as une grande famille. Femme bénie que tu as créée. Les gens sont allés créer poupées. Poupées qui ressemblent à une femme. Qui ne peut pas parler. Qui ne peut pas te toucher. Qui ne peut pas, qui ne peut rien te dire. Et les gens sont fiers. De dire oui, je me suis marié à cette poupée. Je me suis marié à cette poupée. Tu l'as achetée, tu l'as mariée. Et je vais lui laisser mon héritage. Quand je vais mourir, effectivement tu vas mourir. Te sont mariés à chien. Te sont mariés à chat. Mais de l'aide à oui. Ah oui. C'est bon. Mais de l'aide à dents. Si tu regardes 2020, il y a des choses bizarres qui se sont passées. Il y a pas de problème, mais bizarre, quelle est le J'ai vu la photo. Ma photo. D'une chèvre qui a accouché un bébé. Et le bébé. À la tête d'un homme, les pattes de l'animal, et une colle, et les yeux de l'homme. Et les gens disent, ça c'est quelle créature bizarre. Et les scientifiques ont dit non, c'est une déformation génétique. C'est une déformation génétique. C'est l'ADN qui s'est déformé. J'ai dit c'est faux. C'est un homme qui a couché avec la chèvre. C'est un homme qui a couché avec la chèvre. Les gens n'ont plus de sentiments, n'ont pas de famille. Tous sont mariés à leur voiture. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui disait, après qu'elle s'est mariée à un chien, devant le maire, ils ont fait le mariage, ils ont fait les papiers, et elle dit, je laisse mon héritage à mon chien. Tu as besoin d'une famille. Ce n'est pas de chien que tu as besoin. Ce n'est pas de chat que tu as besoin. Le chat ne peut pas t'aider. Le chien ne peut pas t'aider. Tu as besoin de sentir la chaleur de corps. La petite le fait et tous le fait. Le visage de tout le monde. Est-ce que tout le monde est content ici? Est-ce que tout le monde est content cette année? Deux valent mieux que un. Parce que quand un tombe,
J'ai besoin de famille. Oh yes. Non, non, ouais, non, non, c'est... Si tu n'as pas de famille, ta bénédiction n'est pas complète. C'est ça. Amara, ouais, toi, la bénédiction est checkée. Des gens autour de toi. Mais là, les deux, là. C'est la vie, ça. Bene. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Les gens autour de toi. Les c'est pas forcément des enfants biologiques. C'est pas forcément une femme que tu as. Ah,
Quelqu'un dit c'est vrai? Amen. Dis amen. Amen. Je te dis la vérité. Si tu veux venir à Emmaüs, c'est un secret. Si tu veux venir à Emmaüs, sois ami des Lévites. Mais ça va durer. Mais Richon. En tout cas, parole de Dieu, c'est pas pourquoi les gens acceptent. C'est pour dire. Tu te poses à moi, c'est ça, c'est fini. On est le vite, à qui tu penses? Richon. Si la femme a un bébé, même si le bébé là est filé, Il y a des anges. Il y a des bonnes personnes. Mais toi, tu as besoin de
les gens heureux autour de toi. La famille de Job, c'était sa joie. Oui, famille de Job, à joie. Quand il se lève le matin, voit sa femme, ses enfants. Elle avait dit un grand nombre de serviteurs. Et les gens sont contents de travailler sur lui. Tu vois, il y a des gens qui travaillent pour toi, mais ils te maudissent. Dieu entend la prière. Est-ce que tu les exploites? Avant de te rendre compte, ils vont devenir ton boss. Dis amen à ça. Il dit dis amen à ça. En tout cas, celui qui n'est pas content de la prédication, c'est son problème. C'est seulement quand il boit le sang qu'il est content. Quand il divise, quand il détruit. Alors que ici, il n'y a pas quelqu'un comme ça. De ta famille. Tu sais pourquoi les gens sont des mauvais chrétiens? Parce qu'ils sont des mauvais gens de famille. Parce qu'il y a une famille. Une mauvaise femme au foyer sera une mauvaise âme pour un pasteur. Elle sera un problème pour le pasteur. C'est dans le foyer d'abord. C'est là où les gens sont bien éduqués. Avant de venir à l'église. Comme ça, le pasteur va travailler un peu seulement. Aucun moral, aucun respect. Si maman si ta caméra m'a sauvé, on ne sent pas s'habiller. Et what? D'abord, ils vont se les voir. Ils vont rester en public. Et en notre bâtiment, ils vont se ouvrir les couilles. Montrer le slip. Ouvrir le sein. Montrer le sein. Quand tout le monde voit ça, mais bien, moi, c'est un verset public. Ça n'a pas de valeur. C'est vrai ça. Ce qui est précieux, on creuse. Oh yes. On creuse. Oh yes. Avant de trouver ça. Ma prédication est en train d'aider d'autres à s'arranger. Oh yeah.
Yes. Tout est bon. Richard. Tu dis, chaque fois c'est bagarre, chaque fois c'est bagarre. Un jour viendra, tu vas la chercher pour faire bagarre, tu vas. Deux plats ne peuvent pas rester sans faire du bruit. C'est ça même qui fait la joie même des, oh yes, des amitiés, des relations. Quand il y a bagarre, c'est ça. Sinon, si tu restes avec quelqu'un, il n'y a jamais bagarre. Il n'y a jamais bagarre. Je veux te dire la vérité, c'est un diable déguisé. Si tu as chance, c'est ton corps va venir, papa Benjamin va ressusciter. Tiens, le chef va lancer, tu as ton papa Benjamin à foutre. Quelqu'un avec qui tu es, il n'y a jamais bagarre. Mais on n'est pas dans la salle, tu l'as pédé. C'est ça mon papa dit. Papa, tu es avec quelqu'un. Il n'a jamais pété devant toi. Mais il n'a jamais fait devant toi. Fais attention. La personne a des ossements humains dans sa poche. Quelqu'un a une famille. Famille en Christ. Famille biologique. Que Dieu te donne une famille. C'est comme si je veux m'arrêter ici. Si la société veut se gâter, c'est la famille. Si l'église va se gâter, c'est la famille. C'est la vérité, parce que la famille, c'est la cellule de base. C'est pour ça le nouvel ordre mondial qui veut s'installer. Le premier objectif, c'est de changer les choses dans la famille. Les parents n'ont plus d'autorité. L'homme peut marier l'homme. La femme peut marier la femme. L'homme peut marier l'animal. La femme mariée à l'aimant. Des choses bizarres pour casser la cellule familiale. Je prie pour toi. Par l'esprit du maître. Par la grâce de cette nouvelle année. Reçois une famille. Je dis reçois une famille. Que Dieu te donne une famille. Je dis que Dieu te donne une famille. Je le répète encore, ce n'est pas forcément ton sang. Famille, les gens qui sont à côté de toi. Mais là, pas toi une famille, toi. Alléluia. Et Job était béni matériellement et financièrement. Job était mon donnant dans le petit groupe. Oui, Job avait la richesse. Ça, c'est une autre bénédiction. Donnant l'idée, venez. La richesse. Le matériel. Mais c'est ça, Lido. Tu sais pourquoi ta richesse était matérielle, ne commente pas. Parce qu'il n'y a pas de gens autour de toi qui vont manger. Il n'y a pas de gens autour de toi à qui tu vas donner. Donc Dieu te donne ce qui va te suffire. Tu as déjà vu dans ton esprit que tu n'aimes pas la famille. Tu aimes vivre seul. Donc il va te donner la nourriture pour toi seul. L'argent pour toi seul. Voiture pour toi seul. Augmente le nombre de personnes à charge. Pour les gars, à ta charge.
Je veux pas perdre mon temps sur l'argent et le matériel. Dieu peut être béni matériellement et financièrement. Une autre position que Dieu m'avait, c'était un bon caractère. Regardez, la bénédiction ne sera pas complexe si à la vie, si tu connais Dieu, la bonne santé, tu as une famille biologique et spirituelle, tu as le matériel, l'argent. Si tu n'as pas un bon caractère, il y a des gens qui ont l'argent mais sont orgueilleux, arrogants. Ce n'est pas le sang qui sort de la bouche. Ils ne respectent personne. Ils sont méchants avec leur argent. Ils font du mal, ils oppressent avec leur argent. Parce qu'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Mon frère, tu peux être élevé. Tu peux être grand. Tu peux avoir l'argent. Si tu n'as pas un bon caractère, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la bonté, si tu n'as pas la patience, la fidélité, si tu n'as pas de bon caractère à toi, la générosité, ton argent est zéro. Ça ne sert à rien. Ton diplôme est zéro, ça ne sert à rien. Diplôme toi est zéro. Des gens sont moués mais n'ont pas de caractère. Ils ont de l'argent mais n'ont pas de caractère. C'est pourquoi ils vont rester seuls dans la vie. Personne ne peut s'approcher d'eux. Personne ne peut les approcher. Parce qu'ils n'ont pas de caractère. La bénédiction n'est pas complète sans un bon caractère. Tu vas voir tous les rois qui n'ont pas eu de bon caractère ont mal fini. Ils ne savent pas se contrôler. Il y a certains, tu les regardes, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils sont calmes. Mais là, dis-moi, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent que tu sembles les appeler les gens humbles. Je veux te dire la vérité. Si tu veux connaître le vrai caractère de quelqu'un, surtout d'un homme, si tu veux connaître son vrai caractère, c'est pas quand il n'a rien. C'est quand il a l'argent. Tu peux avoir tout cet argent. Pourtant, tu es calme, assis dans ta maison. Tu n'es pas à Sheraton Hotel. Tu n'es pas à la plage. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas là-bas. Tu es calme dans ton esprit. Oui, ne me sens même pas. Il y a des gens riches, mon frère. Tu ne peux pas savoir. Et je les appelle des sages. Mon frère, si tu es riche, c'est pas ce que tu portes qui va montrer que tu es riche. C'est ce qui fait ce que tu sors de toi. Ce qui sort de toi. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils ne montrent pas leur richesse. J'ai ça. Ça là, c'est quoi? Je m'en fous de savoir. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est ça, moi je veux savoir. C'est ça. Si tu as dit quoi, tu vois mon problème? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? J'ai dit alléluia. C'est ça la vraie richesse. C'est pas parce que toi quand tu veux piler, il y a un piler chez toi. Il y a des voisins à côté de toi. Ils mangent ignampilé tous les jours. Et on n'entend jamais le coup des pilons. On n'entend pas ça. Mais ils mangent ignampilé. C'est parabole. Alléluia. C'est une bénédiction que Job avait. Quand tu as toutes ces choses, quel est le témoignage de Dieu sur toi? Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Parce que l'homme peut se louer pendant que tu es en train de le parler mal de lui. Les gens peuvent t'apprécier pendant que
toi. C'est pas ce que tu dis de toi-même. C'est pas ce que tes amis à qui tu donnes ce qu'ils veulent disent de toi. Non. Personne n'est comme lui. Il me respecte. Il me sert. Je le connais. Dieu a rendu témoignage un bon témoignage d'un homme. D'un homme. Homme avec la bénédiction complète. Quand tu as ces 7 points, le reste, c'est pas ton problème. Et je prie le Seigneur, bon Dieu, le Dieu de mon Père, l'Esprit de te donner au double, double. Pendant que tu rentres dans cette année, double vie, double santé, double grâce, double famille, double matériel, double finance, double bon caractère. Et tu reçois ça au nom de Jésus. Et tu reçois ça au nom de Jésus. Dieu va traverser sa tempête. Parce que quand tu as tout ça là, le diable va te haïr. Le diable va te combattre. C'est pour ça que le diable combat et masse. C'est pour ça que le diable te combat. Parce que le diable a vu que tu es béni. Il a vu ton futur. C'est pourquoi il vient l'attaquer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais si Dieu t'aime, ça suffit. Si le Seigneur est avec toi, ça suffit. On va maintenir l'amour de Jésus cette année. Ne cherche pas à être aimé cette année. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à glorifier Dieu. Je veux finir en te disant trois choses que Dieu a fait pour que Dieu lui donne le double. Une chose est claire. Le diable attaque Job. Elle a tout détruit, tout détruit, tout. Santé, enfant, famille, l'argent, matériel, tout. Mais la Bible a dit, première chose que Job a fait. Dans toutes ces choses, quand c'est arrivé, Job est tombé par terre. Il se prosterna et loua Dieu. Glorifie Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu vas recevoir le double, le temps où tu as perdu tout, continue de louer Dieu. Continue d'adorer Dieu. Continue de glorifier Dieu. Je n'attends pas pour ma toi. Amen. Que rien n'enlève la louange de ton cœur. Deuxième chose que Dieu a fait pour être restauré. La Bible dit, dans toutes ces choses, il n'a rien dit de négatif. Il n'a pas parlé mal contre Dieu. Il n'a pas critiqué quelqu'un. Il n'a pas blâmé quelqu'un. Pour son problème. Non. Il n'a pas blâmé quelqu'un. Vous savez, ce qu'on dit, c'est ça qui est notre problème. Nos paroles. Les choses négatives. Dans toutes ces choses, Job n'a rien dit de négatif. Il était positif. Il était optimiste. Je pouvais entendre Job dire, au milieu de la maladie, au milieu des problèmes, je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il changera ma situation. Il se lèvera. Il me donnera un nouveau nom. Il se lèvera. Il me guérira. Malgré tout ce qui se passait, Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Troisième chose que Job a fait. Pour que Dieu lui donne le double. Les gens qui l'ont critiqué, abusé, calomnié, particulièrement ses amis, il les a pardonnés. Il a prié pour eux. Dieu a restauré Job seulement quand il a prié et pardonné à ses amis. Beaucoup d'entre nous, si nous voulons voir le double, il faut avoir le pardon. Les gens rancuniers, Dieu ne peut pas leur donner ça. Mais
Les gens qui gardent les choses dans leur cœur. Alors je parle. Il y a des gens qui ont déjà mis des choses dans leur cœur. 2020. Ils ont traversé ça avec. Bientôt maintenant ils vont dire à quelqu'un, c'est comme ça qu'on a fait en 2020. Les enfants de ses enfants jusqu'à la quatrième génération. Quelqu'un qui a perdu tout. Il a encore reçu 10 enfants. Il a vu les enfants des enfants jusqu'à la quatrième génération. Quel Dieu vous servons? Dis-moi, qui a dit que ce n'est pas possible? Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. J'ai beaucoup prêché parce qu'il n'y a pas prié. Dieu n'a pas dit va prier pour eux. Dieu a dit va le dire. Il y aura double bénédiction. Donc j'ai déclaré c'est fini. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Qui a dit ce n'est pas possible? Possible, possible, possible.
restaure et marche autour. Restaure-moi autour. Est-ce que tu crois à cette prière? Est-ce que tu crois à cette parole? Va préparer ta maison. Va préparer la place. Pour double bénédiction. Va et sois bon. In Jesus' name we pray. Mo mope.